Shutterstock Music. Vous êtes très nombreux à faire cette erreur de mettre un texte avec des effets de façon très abusive. Je vois beaucoup de personnes qui abusent de ces effets dans toutes les créations de ses clients. C'est une très grave erreur. Pourquoi ? Parce que vous ne répondez pas correctement à la demande de votre client. Vous avez des textes gras et fins qui sont plus ou moins fonctionnels avec les effets que vous appliquez. Je vois beaucoup de personnes qui mettent des effets sur un texte sur un fond uni qui sont corrects et pour d'autres sont incorrects. Que ce soit un texte ou un autre élément, s'il vous plaît, n'exagérez pas sur les effets. Pensez à la cohérence, pensez à la lisibilité que les gens vont lire. Plus vous mettez trop d'effets, plus la lisibilité sera moins confortable. Je vois de nombreux débutants réaliser leur logo avec Photoshop ou Affinity Photo. C'est une très grave erreur. Ne faites pas ça. Réalisez votre logo avec Illustrator ou Affinity Designer. Ce sont les deux logiciels spécialisés dans le vectoriel. Vous agrandissez ou vous réduisez votre logo, il n'y aura pas de perte de qualité d'image. En plus de ça, vous pouvez créer des formes très complexes, plus personnalisables avec le concepteur d'outils de forme ou alors avec le Pathfinder, etc. Vous avez plein d'outils à votre disposition pour votre création de logo. Donc s'il vous plaît, encore une fois, ne créez pas votre logo avec Photoshop ou Affinity Photo. Ce n'est pas leur rôle, bien évidemment, pour appliquer les effets. Mais ne sous-estimez surtout pas la puissance d'Illustrator et la puissance d'Affinity Designer. Combien de fois j'ai vu des personnes étirer leur texte? Ne faites surtout pas ça. Il existe des options spécifiques pour cela. Donc, pour l'amour du ciel, n'étirez pas votre texte ou votre titre. Je vois souvent aussi cette erreur de grossir un logo. Surtout de mettre trop en évidence. Ça fait un peu comme « Coucou, je suis là, regardez-moi !» Sérieusement, ne faites surtout pas ça. Donc, réduisez la taille de votre logo. De façon à qu'on puisse bien voir, pas trop rikiki non plus, mais qu'il soit visible. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent mal la baguette magique et qui ne comprennent pas le rôle de la baguette magique. Le rôle de la baguette magique est de supprimer une couleur unie. Le seul inconvénient de la baguette magique, vous verrez dans tout le contour que vous les détourez, ça sera en zigzag. Le problème avec ça, c'est pas très esthétique. Et vous serez obligé soit d'utiliser la gomme, soit d'utiliser l'outil lasso, soit d'utiliser l'outil plume. Vous êtes extrêmement nombreux à négliger les ombres et les lumières. Et surtout, vous les gérez mal. C'est-à-dire, vous ne réfléchissez pas à l'angle de la lumière que vous voulez projeter sur votre élément. Par exemple, derrière votre élément, dans quelle manière vous voulez projeter votre lumière. C'est-à-dire, si vous rapprochez votre projection de la lumière, elle sera beaucoup plus dure. Si vous l'éloignez, la lumière, elle sera beaucoup plus douce. C'est le même principe dans la photographie. Et c'est exactement pareil pour les ombres. Donc, réfléchissez bien où vous voulez placer votre lumière et vos ombres. Il faut que ce soit esthétique. Il faut qu'il y ait une logique derrière. Vous avez aussi un problème de gestion de couleurs. Par exemple, quand vous réalisez un photomontage, vous ne faites pas attention à l'atmosphère colorimétrique. Prenons un exemple sur ces deux couples. Vous avez glissé et déposé dans un décor nocturne, mais vous avez problème avec la gestion des couleurs. Avec l'arrière-plan, c'est-à-dire le décor, qui ressort les deux personnages, vous cassez l'atmosphère colorimétrique. Et vous êtes très nombreux à faire ça. Ce que je veux dire par là, le décor de nuit, il est souvent bleu, avec un peu de vert, mais vraiment très léger. C'est-à-dire, si le décor est de nuit, les personnages doivent incorporer dans la nuit. C'est-à-dire de mettre du bleu sur vos personnages. Pour conclure, jouez avec les réglages de façon à que le décor et le personnage soient en harmonisation colorimétrique. Faites bien attention à la lumière et les ombres également. Donc, utilisez les outils de réglage qui sont à votre disposition. En prenant bien le temps de comprendre l'atmosphère, que ce soit jour et nuit ou autre, pour créer un rendu cohérent. Et pour vous aider, inspirez-vous de ce qui se passe autour de vous et aussi sur Internet. Quand vous voulez détourer les cheveux d'une femme, évitez d'utiliser l'outil gomme. Utilisez l'outil de sélection rapide, ensuite en créant un Mac de Fusion et vous réglez dans le Mac de Fusion, comme vous voyez affiché à l'écran. En sélectionnant l'outil d'amélioration de contour, c'est le deuxième outil, qui se situe dans le panneau de gauche. Ensuite, vous avez juste à peindre par-dessus
sur le cheveu pour éliminer les zones indésirables, c'est-à-dire les zones que vous voulez supprimer, c'est-à-dire l'arrière-plan, et ensuite vous validez. Par contre, si vous travaillez avec des cheveux très complexes, prenez le temps de répéter la même manipulation en faisant bien attention à supprimer les parties que vous voulez supprimer. Et une fois que vous êtes satisfait du rendu, validez. Quand vous prenez des photos, je vous conseille de shooter en RAW et ne shootez pas en JPEG. Ne travaillez pas en JPEG parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous pour travailler en post-traitement avec Luminar ou caméra RAW. Alors ce qu'il faut savoir, le RAW n'est pas une image. Il faut dire au logiciel de développement numérique ce qu'on souhaite appliquer comme paramètres, luminosité, contraste, couleur et ses informations brutes pour qu'il en fasse enfin une image qu'on va exporter ensuite qui peut être sous format JPEG, PNG, etc. Et enfin, le dernier, vous négligez la lisibilité. Comment voulez-vous qu'on lit un texte qui est trop petit? C'est inconfortable, c'est illisible. C'est de la même manière, c'est un texte trop gros. Après, ça dépend du message que vous voulez faire passer. La lisibilité est primordiale. Il faut que les gens aient le confort de lire ce que vous écrivez et ce que vous voulez montrer. Plus vous faites attention à la lisibilité, plus le confort sera agréable. Dans la manière que vous agencez les textes, les images, les espaces, les marges, etc. Tout ça, ça joue. Donc faites bien attention à cela si vous voulez qu'on soit fier de votre travail.